Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto. On va réaliser ensemble une salle de bain de A à Z. Au sol, du carrelage en point de Hongrie. Bien évidemment, toutes les préparations avec la pose du système de protection à l'eau sous carrelage. Je vous laisse découvrir tout ça. Alors comme vous pouvez le voir ici, les murs c'est du placo. Ce placo, il faut le protéger obligatoirement. Je pose un spec. Système de protection à l'eau sous carrelage, ça se pose tout simplement avec un rouleau en deux passes croisées. Alors ici j'utilise de la colle flexible, de la colle blanche tout simplement parce que je vais jointer d'une couleur très claire. Il n'y a pas de risque de teinte au niveau du joint. Si j'utilise des colles grises, ça peut teinter un petit peu le joint. Donc colle blanche, joint blanc, joint très clair on va dire. Colle grise, joint gris, joint très sombre. Et regardez, je peigne vraiment très régulièrement. Plus vous allez peigner d'une manière uniforme avec des traits bien droits au niveau de vos peignes, et moins vous aurez de difficultés à régler vos carreaux. Je me répète dans chaque vidéo, mais plus vous serez propre avec des croisillons tonivelants, et moins vous aurez des difficultés au niveau de la dépose. Un croisillon tonivelant, ça aide énormément, mais ça ne fait pas des miracles. Donc regardez, je peigne régulièrement et aussi, pour me faciliter la dépose des croisillons, je mets un petit coup de spatule à la jonction des carreaux, comme ça j'ai juste à glisser la base, il n'y a pas de colle qui remonte dans les joints, c'est parfait. Alors ici, j'entame la pose avec une bande avec des carreaux à relief. Ils sont très jolis, ces carreaux, j'aime beaucoup. Le seul truc, si vous voulez vraiment bien les couper avec la carrelette, il faut vraiment y aller doucement et bien suivre les vagues de chaque motif, quoi. Thank you.
Bien évidemment, je me sers du niveau laser. Et comme vous pouvez le voir, j'ai posé une règle. Cette règle, je m'en sers de support pour poser mon carrelage par-dessus. Alors ça prend un peu de temps au début quand on n'est pas habitué, mais servez-vous des règles, hein, ça marche très très bien. On cale sa règle, on la met bien pour que notre carreau arrive sur le niveau du carreau qui est à côté, qui est en périphérie, mais notre laser, on suit. Par contre, ce que je vous encourage à faire aussi, si vous êtes avec des grands formats, des plus grands formats que ceux-ci, vérifiez quand même bien vos niveaux parce que votre règle, elle peut un petit peu se tordre et bah, le carrelage, c'est au millimètre. Donc, prenez votre temps, regardez, posez votre laser et surtout, calez bien vos règles. Alors ici, hein, pour info, les croisés Anthony Blanc, c'est les Perfect Level Pro, très performants comme type de croisés Anthony Blanc. Ils sont en vente sur la boutique Caro Tuto. Vous avez le petit code promo Caro Tuto pour avoir 10%. Et ils sont en vente aussi sur le site ecarler.com, hein, code promo Caro Tuto, 10% de réduction. Alors c'est vrai que le carrelage, une fois qu'on a les bonnes méthodes, c'est un petit peu répétitif, hein. C'est pour ça que je vous montre aussi là. J'entame les autres murs, toujours pareil, je me sers mon niveau laser, je vérifie bien et je peux commencer mes premiers rangs. Règle de 10, double encollage, petit coup de spatule entre chaque carreau et je continue mon mur comme ça. Alors, chose importante à savoir aussi, lorsqu'on part entier sur un bac à douche, il ne faut pas croire que tout sera de niveau. Un bac à douche, il peut avoir certains galbes, hein, notamment au niveau des angles. Et ça peut faire des petits galbes. Et ça, ça peut vous fausser votre niveau. Maintenant, je vous l'ai dit, vous saurez.
Je reviens sur ce que je vous expliquais tout à l'heure, les carreaux, hein, avec ces formes 3D, hein, ces formes géométriques 3D. Bah, regardez comme j'essaye de bien lire à chaque fois les galbes des motifs bah, pour qu'ils cassent facilement. Sinon, bah, malheureusement, ça peut très très mal se casser, sinon bah, vous avez l'option aussi meuleuse. Alors là, on est sur du grand format, pas besoin non plus de passer sur les carreaux. J'essaye de faire joint par joint et surtout, je vais m'appliquer sur les finitions des joints au niveau des carreaux avec les formes 3D. Pour que ça fasse joli, il ne faut pas que ça fasse de creux, il faut que ça lisse un petit peu les formes et les jonctions entre les carreaux lisses et les carreaux à motifs. Alors je viens de finir de jointer mes carreaux, je préfère me laisser le lendemain pour peut-être 2-3 petites finitions, mais bon, je suis pas loin du résultat final. Là, j'attaque mon carrelage de sol, carreau en point de lombrie, un petit peu technique au début,
Après, il faut que votre cerveau s'y fasse un petit peu. Hein. Mais bon, ça marche très très bien. Moi, perso, j'adore cette pause. Et je trouve que ça donne un vrai cachet. Hein. Ces carreaux en point d'ombrée, au début, je les ai posés au croisillon et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient certains petits problèmes de pige. Donc, j'ai dû tout faire à l'œil. Là, on est sur l'uniformité de l'ouvrage. Je pourrais pas faire des miracles. Les carreaux ont quelques petits décalages. Je m'adapte. Plus j'essaye d'avoir quelque chose de régulier avec des croisillons, plus en fait, j'aurai des décalages. Donc, il faut réussir à poser un rang, un petit peu dégauchir. Quand on dit dégauchir, c'est-à-dire prendre du recul. Regarder et puis se servir d'une règle. Hein. Plus on a des repères et mieux c'est lorsqu'on pose comme ça. Et bon, ça va, j'avais pas beaucoup de rangs à poser, hein, mais quand on est sur des grandes longueurs, c'est là où attention, là faut pas se tromper. Hein. Alors là, c'est le lendemain, je suis encore sur l'histoire des joints, puisqu'il me reste ma marche à jointer. Là, je suis sur des mosaïques. Je vais faire bien plusieurs mouvements pour bien faire pénétrer le joint au niveau des intersections. Il ne faut pas aller qu'en surface lorsqu'on a beaucoup de joints comme ceci. Il faut vraiment revenir plusieurs fois et faire un joint un petit peu pâteux quand même, puisque il y a beaucoup de joints. Donc on ne va pas le faire liquide. Ça aura tendance à creuser quand on va nettoyer. Bien pâteux. Et je rentre bien, je fais des grands mouvements pour que ça pénètre bien dans le joint. Et ensuite, j'aurai mon carrelage en point d'ongrie à jointer. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bon, j'ai plein de formats de vidéos différents en prévision, mais bon, les montages font que je ne sais pas par lequel commencer. Je vous dis à très vite. Allez, prenez soin de vous. Ciao.